Et salut à toutes et à tous, c'est Chou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvel épisode de Sail Away the Sailing Simulator. Aujourd'hui on va un peu vous emmener notre bateau, mais apparemment on est en plein milieu de l'Atlantique, c'est pas trop la tempête, vous allez voir les amis, mais voilà c'est parti. Allez, on se met en mode débutant, on va faire comme la semaine dernière avec les voiles, on va bouger un peu le chariot, les voiles, et au fur et à mesure on montrera un niveau crescendo afin de s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, c'est parti les amis, let's go! Allez, on se retrouve pour le 13e épisode, les amis, de ce Sail Away the Sailing Simulator. On se retrouve en plein milieu de l'océan, toujours en route vers l'Australie. On est environ au checkpoint, là où on avait dit qu'on serait à peu près. Ça, c'est cool. Et pour arriver à ce checkpoint-là, il faut environ 5 jours. Ce sera pour la semaine prochaine, environ. Peut-être même, on l'aura peut-être même dépassé. Ça, on verra selon si le bateau avance très très bien. Alors, on va se mettre ici. Vous pouvez voir que ça bouge beaucoup moins que la semaine dernière. On a beaucoup moins de vent aussi, on a 19,9 nœuds pardon, de vent et 13 ressentis et on a 7,1 nœuds nautiques de vitesse. Voilà, c'est pas un rythme de croisière mais c'est pas trop trop mal, c'est pas trop trop mal. Alors niveau réglage, il me dit quoi? La grande voile est trop plate, essayez de relâcher la bosse d'appointure. Larguer un risque de la grande voile. Alors là, ça c'est la première fois qu'il me dit ça, j'ai pas eu ça la semaine dernière, on va voir. On va voir, la risque de la grande voile, drisse de grande voile, drisse de Jennecker, enrouleur de génois. On va peut-être prendre celui-là, on va voir. Hein. On va voir ce qu'il me dit. On va voir si ça bouge quelque chose. Il faut tester, il faut tester. Peut-être pas celui-là. On va essayer de prendre celui-là pour voir. On va faire, je sens qu'on va faire que des mauvais réglages, mais c'est pas grave. Alors là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est quoi la bosse d'appointure? C'est quoi la bosse d'appointure? Ah, elle est là! Hop! Je l'avais pas vu, je l'avais pas vu, elle est de l'autre côté les amis. Oh pardon, attends, j'ai touché n'importe quoi. J'ai touché n'importe quoi. Allez là, je l'avais pas fait gaffe. Eh oui. Voilà, quand on débute on fait des bêtises. Alors, est-ce que je peux la prendre? Tendez la bosse d'appointure pour la placer à la voile par vent fort. Relâchez-la pour donner plus de bordure à la voile par vent léger. Et je peux pas la prendre. Il me dit que je dois la faire, mais je peux pas la faire. Alors, est-ce que je peux bouger le chariot? Oui, on va bouger le chariot, nous. Donc, du coup, à niveau débutant, je peux pas le faire. Donc, on va se remettre ici. Là-bas, hop, on change de place. On va prendre le chariot. Allez. Ah, j'allais dire, pourquoi il le prend pas? Ça aille. Alors, nous, on va bouger le chariot. Ce sera pas mal pour nous. Écoute, la grande voile est trop choquée, essayer de tendre ou de déplacer le chariot du... Ouais, c'est ce que je fais. Je vois pas de différence en fait. Je vois pas trop de différence. Ok. Parce que si je me mets... Ça a pas trop mal au niveau vitesse, j'ai pris de la vitesse d'un coup là. Est-ce que c'est bizarre? C'est bizarre. Au niveau vitesse, on n'est pas trop trop mal. La bosse de la pointure, est-ce que je peux vraiment pas la bouger? Est-ce que je peux vraiment pas la bouger là? Là, je peux pas la bouger. Vous ne pouvez pas utiliser ce cordage lorsque la courbure des voiles est réglée automatiquement. Accédez au menu Options Gameplay puis ajuster les pré-réglages du niveau compétence si vous voulez modifier cela. Mais ça, je peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Donc, du coup, Options Gameplay Basique. Allez, on va se mettre en expérimenté, allez, on y va, on tente, on s'en fout, on tente, on y va. Comme ça, je peux essayer de la bouger, on va voir un peu ce que ça donne. Et là, je peux la bouger maintenant. Cette commande est sans effet lorsque la voile est affalée. Ah, effectivement, j'ai dû bouger tout et n'importe quoi tout à l'heure. Alors, attendez, on va la remettre à fond. Écoute de grande voile, je reste concentré, hein. Désolé. Ok, c'est pas mal. Et la pose de la pointure. Alors. Hop, hop. Est-ce que là je peux bouger maintenant? Je peux pas. Pourquoi elle est trop plate? Pourquoi elle est trop plate? Grande voile. Allez là, allez. Ça fait rien du tout en fait. C'est mieux là, non? Voilà, c'était pas mal. J'avais tout touché les risques au début. Voilà, ça c'était ma faute. Je suis vraiment désolé. Bon, on débute. Hein. On va rester en expérimenté. On va voir un peu ce que ça donne. Mais j'ai. Oula, j'ai bougé la barre. Ok, tout va bien. On va se mettre là. Ok, on est pas mal. Les penons sont bien.
Ouf, c'était un peu bizarre, mais j'avais touché tous les risques aussi au début, moi, quel couillon, sérieux. Donc du coup, on est pas mal niveau réglage, ça va, et on avance à 7-6, c'est correct. C'est correct. Comme vous le savez avec moi, ce ne sont pas d'épisodes très très longs, c'est entre 10 et 15 minutes, mais bon, histoire de revenir un peu chaque semaine sur le jeu, histoire de voir un peu l'avancée de notre bateau, et puis là, c'est pas mal. Pour l'instant, on a expérimenté, ça va, il me demande pas grand-chose, les réglages sont bons. Pour l'instant, ça va, là, il me dit rien. On est correct, ça avance tranquillement. Tranquillement, sans prise de tête. Il va falloir peut-être que je rebouge un petit peu la barre. Voilà. Ça sera pas mal. Ok. Vu que j'ai bougé la barre, la voile, elle bouge un peu bizarrement. Attendez. Oh, il y a un vent là. Il y a le vent, il y a le vent, il y a le vent. Voilà, on va se remettre comme ça, comme on était. Réglage. L'écoute de la grand voile est trop choquée. Essayez de l'atteindre ou déplacer le chariot au vent. Oui, vite, vite. Ah mais c'est pas, c'est comme ça. Voilà, c'est pas mal. Ok, restons concentrés. On va se remettre comme ceci. Et pendant ce temps, on va faire quelques petites photos pour la routine. Elle est pas mal celle-là, une petite photo comme ça là, voilà. Ok. Il y a une petite vague quand même, il y a vraiment des petites vagues. Hop. Voilà, comme ceci. J'aime beaucoup cette photo. Parfait, ce plan il est très très bien. Voilà, et celui-là. Voilà, trois photos dans la boîte. Hop, revenons ici. Niveau réglage, tu me dis quoi? Rien du tout. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On va peut-être rester expérimenter pour les prochains épisodes, histoire de voir un peu ce que ça donne. Mais pour l'instant, il ne me donne pas grand-chose. Là, c'est un peu bizarre. On va peut-être rebouger un peu le chariot. Non, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, j'ai dit. Voilà. Allez, on déplace, on déplace, on déplace. Parfait, regardez comment on est bien aligné là. Voilà, là on est bien. Là on est très très bien. Et on avance tranquillement. Nous sommes ici. Il y a un bateau ici, d'autres bateaux. Regardez qui apparaissent. Tac, tac, tac. Oh, le monde qu'il y a là-bas en Méditerranée. Un truc de fou. Un truc de fou. Pas mal de bateaux qui avancent. Ben nous, mine de rien, on a fait à peu près la moitié du chemin. À peu près, ouais, on va dire qu'on a fait la moitié. C'est correct, c'est correct, c'est pas mal. Ça a peut-être pas duré 3 ans comme on l'avait dit au début. On avance, on avance. 4 jours pour arriver au prochain checkpoint. Le réglage est très bon. Et ben voilà les amis, ben je vous dis à très très vite pour un prochain épisode de The Sail Away, The Sailing Simulator. Ce sera dimanche prochain bien entendu et on devrait être juste après ce checkpoint là, en route vers l'Australie les amis. Allez, à bientôt, ciao!